Sac passé, Namboulé. Samina Kala, santé maternelle et infantile. Je dis en j'aime tout déjà, nous portons une vidéo pour qui est intéressant. Qui pour qu'on soit pour capable de compte comment, ni garçon ni femme, garçon, les madames ou enceintes, pour compte comment pour calculer date pour recevoir bébé. Et mesdames et tout, l'eau enceinte pour compte comment pour calculer date là, même avant docteur Dou, mais qu'il est, on peut espérer bébé. Parce que c'est intéressant, donc restez branché, Naptoune. Comment contrôler la date? Ok, sans pas besoin de temps, docteur Adou, aussitôt que vous connaissez enceinte, les confirmer déjà, ou enceinte, ou content, ou besoin de connaître qui est bébé à rentrer. Comment faire ça? C'est très simple, restez ensemble avec moi et je vais vous montrer comment vous faites ça. Premier bagage, vous avez besoin de connaître la contrôler la date qui est pour espérer bébé, ou besoin de connaître qui est la dernière fois que vous avez réglé. Ok? Qui dernière fois pour te réveiller, ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage que vous devez connaître, vous devez ajouter 7 jours sous date où tu es dernière fois te réveiller. Je vais faire une simulation pour après, vous n'avez pas besoin de mettre un problème, mais absolument vos explications avant. Et puis, troisièmement, vous avez moins 3 mois dans la date ça. Et puis, en dernier lieu, pour finir, vous ajoutez un année. Et puis là-bas, dans la date où tu as espéré bébé. Ok? So, premier bagage que je te dis, ou besoin de connaître qui dernier l'air où tu es réglé. Par exemple, jeudi, c'est 6 avril 2020. On dit jeudi, c'est 6 avril 2020, c'est la dernière fois où tu es réglé. Ok? 6 avril 2020, c'est la dernière fois où tu es réglé. Ok? Pour y aller, on a ajouté 7 jours sur 6 avril 2020. 6 plus 7, ça va être 13. Ça va être 13 avril 2020. Ok? Ça va être 13 avril 2020. Troisièmement, ou après 3 mois. Si je suis 13 avril 2020, par exemple, je vais tirer 3 mois là-dedans. Ça va nous faire nous tomber 13 janvier 2020. Ok? Pour nous là, vous ajoutez une année sous l'année de l'année pour finir, qui va nous faire 13 janvier 2021. So, ça veut dire, ou avez sous ce monde qui était jeudi, hein, c'est dernier, qui c'est 6 avril 2020, c'est dernier, faut être vous et vous les confirmez déjà que vous êtes enceinte. Donc, vous avez espéré bébé à 13 avril 2021. Attendez, 60% selon l'étude qui fait, seulement 60% bébé qui vient 5 jours après. Les dates qui ont été balades. Par exemple, là, bas au 13 avril 2021. Donc, Gemoun, c'est juste 5 jours après qu'il y a pour un bébé. So, si vous êtes 13, vous avez un bébé le 14 avril 2021, vous avez un bébé le 15, 16, 17 ou 18 avril 2021. Donc, ça veut dire que les dates sont exactes, mais c'est une façon pour vous faire. Pour contrôler pour une estimation qui est le cas où bébé a comme ça pour faire préparation pour bébé. Donc c'était comme ça. Sous style pas comprendre, nous connaissons une vidéo avec un long, m'a fait rapide. Sous style pas comprendre, posez une question et puis moi-même, m'a très content pour me répondre. L'autre vidéo que okay, nous allons faire pour vous, c'est expérience. Ça pour espérer. Des bébés pendant que ou enceinte, qui changement que fait dans corps, qui ça qui malaise pour qu'a senti, quel bagage pour ouais que vous devez découvrir c'est courir à ouais en doute tout de suite, ça c'est genre de vidéo ça, comme si expérience là des premières semaines pour les enceintes là jusqu'à dernière semaine nous allons faire petit nan, nous allons faire expérience avec vous comme ça et puis expliquer tout bagage comme ça, nous voulons mesdames yo gagner une expérience sur grossesse que yo éduqué de ça yo connaît, ça veut dire si yo un changement fait pour dire ah on t'ai apprendre de ça on connaît les lui. Donc pas oublier sur une petite vidéo ça pour capable encourager pour me faire plus de vidéos pour like channel là, partager vidéo yo, commenter et puis
ça qui est plus important, c'est abonner. Cliquez sur le petit bouton abonner, cliquez sur la petite cloche là, cliquez sur tout ou bien all, comme ça chaque fois que tu vidéo, vous êtes capable de joindre. Félicitations, connaissez comment pour contrôler les dates, bébé a venu. Donc, souhaitant que vous utilisez l'information et aidez l'autre monde qui ne connaît pas. Merci, à la prochaine.